Salut toi! Aujourd'hui avec Gali, on est à Montreuil pour rencontrer Claire et Marie qui ont lancé leur petite entreprise de traiteurs. Elles vont donc faire des buffets et des repas pour tout un tas d'événements et elles sont vraiment chouettes. Allez, viens! Salut les filles! Salut! On est dans notre labo, c'est là où on prépare en fait toutes nos prestations. Les gens nous disent, voilà, on va faire un événement. Nous, on leur demande un peu leurs besoins, quel genre de cuisine ils aiment, quel est leur budget. Et nous, après, on s'occupe d'eux. Moi, je vais faire le menu. Marie va me dire, non, c'est trop cher. Voilà, elle s'assure de la rentabilité de l'histoire. Et puis ensuite, voilà, on leur envoie un devis. Et ils nous font des retours ou pas, ils acceptent ou pas. Et puis après, on se met en cuisine et on fait tout ça. Et là, du coup, tu nous fais quoi? Là, je fais des madeleines. Tu penses que tu vas avoir assez de miel? Comment ça se passe pour que tu trouves les recettes? Je regarde ce qui est de saison à ce moment-là. Forcément, les produits de saison vont être moins chers et vont être meilleurs. Des mariages qui gustativement vont me paraître intéressants, qui vont être beaux esthétiquement aussi. Et puis, j'ai des voyages, j'ai des rencontres, j'ai des tests. Parfois, je bidouille dans ma cuisine, je teste des trucs. Puis après, la personne que j'ai en face de moi, elle va me dire, bah voilà, punaise, moi j'adore le potimarron. Alors moi, je vais lui proposer des choses qui vont dans ce sens-là. Hyper important le citron dans la madeleine. Une madeleine sans citron, c'est pas une vie quoi. Moi je m'occupe plus de la partie bureau, relations clients, commerciales et un peu financier. Mon truc préféré dans mon travail, de tout organiser en amont et d'être sur les événements avec Claire et de voir que tout se passe bien, que les gens aiment et que voilà, faire plaisir aux gens en fait. De toute façon, si t'as 30 ans et que t'as pas de KitchenAid, t'as raté ta vie. Si t'as des super produits, mais t'es cuisinier, c'est bon. J'aime les trucs bêtes qui font un effet bœuf, quoi. Et du coup, tu pourrais très bien faire mon anniversaire où on serait 12, ouais. Comme mes 30 ans où on serait 145. 145, mais pas 150, hein. Oui. Si tu me dis tout le monde assis, tout le monde tout ça, non, je le fais pas encore à l'heure actuelle parce que je te dis, on est pas une très très grosse équipe, je fais que du frais. Donc 150 assis, à envoyer 150 assiettes, non. Après, 150 avec des plats à partager, vous êtes en table de 8 et c'est sympa, c'est la bonne gaudriole, ça oui, carrément. Et si je te dis 150, mais la moitié sont véganes, les trois quarts sont végés et moi j'aime tout. Je peux faire du sans gluten, ça y a pas de souci. Je peux faire du végan aussi, mais si on veut vraiment quelque chose de très végan, très recherché, on vient pas vers moi. Tu viens plus vers moi si t'as envie d'un truc vraiment confort, comme à la maison mais mieux. Je suis un peu le comique Claire, j'aime bien. Et on a une apprentie depuis peu. Du coup, vous offrez pas un service que tout le monde connaît? Comment ça fonctionne pour que vous ayez des clients toujours? Je pense que ça a été au départ une histoire de réseau, de relations. Aujourd'hui, c'est beaucoup de bouche à oreille. Un peu de presse, un peu de com, et on n'en fait pas beaucoup. Et pas mal Instagram aussi. Idéalement, ce serait d'avoir un jour une vitrine, garder l'activité traiteur, mais avoir un petit laboratoire derrière une boutique et une petite boutique à nous où on vendrait nos produits avec la bonne cuisine de Claire. Donc Chicken Bacon Lettuce est né à peu près il y a 2 ans. Après une expérience en brigade, on va le dire, qui s'est pas très très bien terminée, j'ai commencé à faire en fait des buffets pour des amis qui me demandaient comme ça, chez moi, avec rien, avec un four, 4 feux. Je pensais à un plan de travail qui devait faire moins d'un mètre. Je faisais clairement croire que j'avais un labo à l'époque. Oui, il n'y a pas de problème, déposer les courses ici, il n'y a aucun souci. J'ai mon labo au fond de la cour et je montais tout au 6e étage. C'était n'importe quoi, mais j'ai pas de dette, zéro investissement à faire et je l'ai fait, je me suis lancée. Tout à la force du poignet et en dormant très très peu. Au fur et à mesure, j'ai eu de plus en plus de demandes et j'ai monté ma boîte, quoi. Claire avait quand même pas mal la tête sous l'eau parce que c'est compliqué de gérer son business, plus faire la cuisine, plus tout faire en fait. Du coup, je l'épaule et ça nous permet d'une part, je pense, de rentrer un peu plus de contrats, de laisser plus de créativité à Claire dans sa cuisine, d'avoir de nouvelles recettes et de faire plus du sur-mesure aussi. Et essayer de créer une structure qui sera à long terme peut-être plus pérenne. J'ai bossé dans l'événementiel, toujours dans l'univers de la bouffe, quoi, de la gastronomie, avec le fooding pendant 3 ans. C'est là qu'avec Claire, on s'est rencontrés. Et là, je faisais vraiment de l'organisation d'événements, donc de la prod et de la gestion de projets, entre guillemets. Et j'ai rejoint Claire en septembre pour ça, essentiellement. C'est pas forcément évident tous les jours, mais de se dire que dans la vie, on a un but, que c'est pour soi et que c'est aussi un travail d'équipe. Et de monter un truc qui nous appartient, qui est à notre image, avec notre façon de travailler, notre façon de voir les choses, c'est hyper satisfaisant et on apprend tous les jours et on s'ennuie jamais. C'est un défi en fait, et j'aime bien les défis. J'ai fait des études de droit,
J'y suis allée jusqu'au master en droit des affaires et fiscalité des entreprises, autant dire que j'avais pratiquement tout oublié. Et à la suite d'un stage en entreprise, donc en cabinet d'avocat, je me suis rendu compte que c'était clairement pas pour moi tout ça. J'ai commencé à bosser dans la restauration comme ça, en tant que serveuse, et puis au final, la cuisine s'est un peu imposée à moi. Je suis rentrée en cuisine, en brigade, et puis après j'ai passé mon CAP de cuisine à 25 ans, l'âge limite. Ça fait plus de 6 ans que je fais de la cuisine. J'étais donc avec un chef en cuisine pendant un an qui avait des gros problèmes, à mon avis, de perversité, et de narcissisme et ce genre de choses, qui m'a vachement rabaissée et humiliée pendant un an. On peut utiliser le mot de harcèlement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font de la cuisine à l'heure actuelle et il y a beaucoup de gens qui en ont souffert parce que ça reste un milieu quand même qui est dur, très masculin, plein de stéréotypes. Moi, je l'ai très mal vécu parce que j'ai fait une petite mini-dépression à la suite de ça. Je pense que j'ai perdu à peu près pendant cette année bien 15 kilos. Maintenant ça va mieux, j'aime manger, je mange, tout va bien. J'aimais plus cuisiner, je savais vraiment plus quoi faire. Après être partie au Fooding, qui est un magazine donc, de cuisine, guide culinaire, où j'ai rencontré Marie, ça m'a redonné envie de faire de la cuisine, d'être avec d'autres chefs, de voir d'autres personnes, que tout le monde n'était pas comme ça. Et en parlant de mon expérience, en disant les choses, pas en mettant les choses sous tabou, et d'entendre les gens me dire non, c'est pas possible, c'est inacceptable, et il y a d'autres façons de faire, ça m'a permis en fait de remonter sur le cheval tout de suite et dire il y en a marre, il y a des cons partout, et moi si j'ai envie de le faire, je vais le faire, et à ma manière. Ça m'a vraiment permis de me rebooster, de me reconstruire, me redonner la patate, la niaque et l'envie d'y arriver, que je me suis lancée là-dedans et j'ai bien fait, je pense. La cuisine, c'est quand même un des plus beaux métiers du monde parce qu'on rend les gens heureux en fait. Et si c'est bon, mais alors les gens, ils vous aiment, mais direct, quoi. C'est un truc génial. Donc c'est une satisfaction immédiate et immense. Et c'était pour ça que je l'avais fait. Et j'avais complètement perdu cette fois-là, et je la retrouve, en fait, et c'est super. À l'heure actuelle, on a monté une entreprise à partir de rien, quoi. On n'a pas de dette, on n'a pas d'investissement. C'est en progression tout le temps, quoi. Donc du coup, c'est hyper, hyper galvanisant. Et en même temps, oui, on ne se paye pas des milliers de cents, mais on vit bien quand même, hein. Forcément, on travaille comme des folles, donc on n'a pas forcément le temps de dépenser de l'argent, donc tant mieux. Le but, là, ce serait vraiment de grossir et commencer à pouvoir embaucher des gens. Là, on a une apprentie donc depuis janvier. J'avais envie quand même d'offrir un cadre qui soit un vrai cadre d'apprentissage, quoi, où il apprend des choses, où il est bien traité, qui lui donne envie pour l'avenir de construire quelque chose et d'entreprendre lui-même, quoi. On se dit, un apprentissage, je suis en CAP parce que j'ai 14 ans, j'ai raté ma vie ou je sais rien, mais non, en fait... T'as fait le bon choix, mon pote. C'est là où il y a du boulot, quoi. C'est clairement là où il y a du boulot, où tu vas t'épanouir. Quand tu montes ton entreprise, t'es à la fois comptable, banquier, tout ce que tu veux, quoi. Tout ce que tu veux, tu l'es. Et ça, c'est génial. Clairement, celui qui hésite à se lancer, je dis, n'hésite même pas. Ne laisse pas le doute t'envahir, parce que ce serait un regret. Il n'y a rien de pire que des regrets dans la vie. Et les gens frustrés, on n'en veut pas. Il y en a plein en France en ce moment, je voulais le dire. Donc, il n'y a pas de frustrés en France. Donc si vous doutez, vous allez être frustrés. Après, vous allez voter FN et ça va être l'enfer. Voilà. La vie, elle est trop courte pour s'emmerder avec d'autres choses. Et puis même si ça se pète la gueule, tant pis, on rebondira sur autre chose. Si on perd un peu tout, c'est pas grave non plus. Et voilà. On meurt pas avec. Non, on les garde pas dans sa tombe. Et t'as combien de kitchenaides aujourd'hui ? Je suis titulaire de 4 kitchenaides. C'est la réussite. C'est la grosse réussite, ouais. Merci beaucoup les filles de nous avoir accueillis et de nous avoir fait des madeleines et un petit déjeuner de fou. Et à très bientôt pour mon anniversaire. Ah oui, pas de problème. Merci à vous. Salut. Salut. Tous nos cours sont croisés avec le programme de l'éducation nationale. Là, c'est un cours qu'on va croiser avec du coup des profs d'anglais, d'histoire, de mathématiques, de technologie.